Thank you.
Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à voir avec l'autre dégénéré. Mademoiselle ? Croft, Lara Croft. Et moi, je suis le docteur Villard. J'étais venu pour parler avec Tony, mais vous avez été plus persuasif que moi. C'était remarquable. J'aimerais vous proposer un travail. De quel genre ? Éliminer un autre de vos employés ? Non, merci. Ne vous inquiétez pas, il ne reste plus personne à neutraliser. Non, je souhaite retrouver d'autres reliques comme celle-ci. La tribu Infada ne possédait qu'une seule statuette de ce genre. Elle est unique. Et puis, que voulez-vous en faire? Je vais vous montrer. Elle ne vient pas d'Inde, mais d'une île dans l'Antarctique. En fait, il s'agit d'un morceau de météorite qui a été taillé par les Polynésiens lorsqu'ils vivaient là-bas, il y a très très longtemps. Vous voyez ça? C'est unique. Un matériau inconnu. Et comment est-ce arrivé ici? Né sur une mystérieuse planète, sculptée par des Polynésiens, volée par des explorateurs, nos recherches nous ont menés jusqu'à ceci. Le journal de bord d'un marin embarqué sur le Beagle, lors de l'expédition de Charles Darwin. 14 août 1834. Ce voyage devient trop monotone pour continuer mon journal de bord. Mes aventures en mer sont loin d'être exaltantes. Je n'ai à relater que d'interminables heures d'observation de la flore locale et des oiseaux.
Je refuse également d'annoter les idées blasphématrices du professeur Darwin. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est la nourriture. Il me faut quelque chose de plus consistant que ce répugnant bouillon de légumes. Cette fois, nous avons décidé que le seul spécimen que nous récolterons aujourd'hui sera un bout de viande ferme et bien saignant. Il n'y a plus de neige. Les traces ont disparu. Continue donc, nous sommes tout proches. Un mot au professeur. Il nous enverrait chasser cette maudite créature pour la ramener à Londres. Paul est tombé dans une crevasse, c'est compris? C'est d'accord, Stephen. Amen. Stephen fut le seul survivant des quatre marins. Quand il rentra en Angleterre, il vendit immédiatement la pierre maudite, qui avait, selon lui, causé la mort de tous ses amis. Il y a une relique ici, en Inde, une autre dans le Pacifique Sud, et la dernière se trouve dans le Nevada. C'est faisable.
Thank you.
Thank you.
Ah.